Où est passé Frank Etougambela, l'avant-centre de la santé Kotonko la saison dernière, le Camerounais qui a enflammé les gradins du Ghana du championnat gagné en étant le meilleur buteur de son club, la Asante Kotonko. Et il faisait aussi de très belles passes décisives, cet Etougambela. Où est-il passé? C'est ce que nous allons décortiquer dans cette vidéo. La saison dernière, Frank Bella Etouga a inscrit 21 buts en 30 matchs au championnat ghanéen. Avant d'aller au Ghana, il jouait à l'AS Fortuna, où il avait inscrit, je pense bien, 8 buts cette saison avant de signer au Ghana. Son travail acharné et sa persévérance dans le travail l'ont permis de se hisser au sommet du football ghanéen la saison dernière. Et sa non-convocation parmi les Lions Indomptables a toujours soulevé des polémiques. C'est un footballeur généreux qui n'oublie pas ses origines, car à chaque fois qu'il revient au pays, il part rendre visite à ses anciens coéquipiers de l'AS Fortuna et il n'oublie pas souvent de faire un geste pour accompagner les efforts footballistiques de ses anciens coéquipiers. Après donc le passage triomphant de Etougambela du côté du Ghana, il a signé à Al Masry en première division égyptienne en ce début de saison. Voilà d'abord l'accueil qui lui a été offert de ce côté-là, du côté de l'Égypte. Voilà l'accueil de ses collègues et de ses coéquipiers. Malheureusement, du côté de l'Égypte, il a fait un mauvais début de saison. Il a inscrit un seul but en 8 matchs joués, ce qui était différent de ses statistiques du côté du Ghana. Après ces 8 matchs, il a eu une blessure. Il s'est fait opérer les yeux et il a disparu des terrains. Mais la bonne nouvelle est qu'il a repris le chemin des entraînements la semaine dernière et nous espérons qu'il va retrouver son degré de forme qu'il avait au Ghana pour changer le tir du début de saison.